Ah que bonjour les gens. Eh ben, c'est encore B42 pour une petite vidéo bien sympathique, quoique un peu fraîche. Je suis au Mont d'Or, au Capucin, et je rejoins la station de ski de Chastrec-Sancy par ce paysage magnifique. C'est fantastique. Ce sont les vacances de Noël et ça fait 30 ans que j'ai pas vu autant de neige. D'habitude, il y en a assez peu pour Noël, mais là, c'est vraiment merveilleux. Bon, allez à toutes quand le paysage changera un petit peu. Elle est pas belle la vie? Ah. C'est bon, j'ai pas froid maintenant. Ça va. Je pense qu'on va peut-être retrouver un peu le soleil tout à l'heure. Bon, le paysage devrait changer un petit peu. On devrait arriver sur les plateaux bientôt. Je vous montre ça. Un but froid. Ah, pas besoin de partir au Groenland. Là, ça le fait bien. Bah, je profite pour dire que ce genre de petite balade, ça, c'est des trucs que je peux organiser. Ski de rando, avec la poulka, avec le sac à dos, avec bivouac, sans bivouac, à la journée, sur deux jours, il y a de quoi faire dans la région. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de trip, si vous êtes un petit peu mazo aussi, ben, vous pouvez toujours venir. Alors donc pour me contacter, ben, c'est pas difficile, je vais mettre mes liens à la fin de la vidéo. Sinon j'ai ma page Facebook, Survie Nature, et tout ça, voilà, voilà. Voilà, arrivé au bout de la moitié en fait, on arrive à la station de Chastrec-Sancy. Voilà, toute petite station derrière le Mont d'Or Super Bess. Et ben maintenant on fait demi-tour et puis on va rentrer tranquille. Mais moi je reviens avec ma tante de ces jours. Hein. Bye bye. Ça, c'est un moment que j'aime bien. En fait, vous allez voir, j'enlève les pots. Ha ha.
En revanche, comme ce sont pas des skis de rando, ça fait un peu comme des skis de fond. Ah, exactement, c'est ce que j'étais en train de dire, le talon est pas tenu, alors la moindre faute de quart ou d'erreur et c'est la sanction. Allez, c'est parti. S'achever, on arrive bientôt là. J'espère que la balade vous a plu, que le coin vous plaît, et puis si vous voulez le découvrir, ben, vous savez où me trouver, il n'y a pas de souci. Et avec la quantité de neige qu'il y a, ça devrait rester un moment. Hein.